Salut, c'est Xav. Nous allons voir aujourd'hui un monument du rock français du groupe Téléphone, le morceau Flipper, qui est peut-être pour moi l'un des riffs les plus emblématiques du rock français. Donc, morceau sorti sur le premier album, écrit, enfin, coécrit par Bertignac et Aubert. C'est pour ça qu'il est signé Aubertignac, un des rares d'ailleurs. Alors, un morceau assez simple, qu'il est vraiment sympa de jouer à deux guitares. Alors, le riff principal, ça fait. Pour faire ce riff, nous allons faire déjà tout avec trois cordes et trois cordes en haut, donc des accords en quinte. Ainsi, donc, on commence septième case de corde de mi et neuvième case avec la corde la et ré. Donc, je fais avec deux doigts pour le petit riff. Alors, ça fait comme ça. Là, l'auriculaire va venir fretter en dixième case de corde de mi, comme ça. Comme ça faisait ça. À part qu'avec les autres cordes, ça fait. C'est un riff très, très lourd, très puissant. Donc, après, nous passons en mi. Donc, on descend d'une corde. Donc, la première guitare fait ça. Et la deuxième derrière. Alors, ça se joue toujours pareil à 2-3 cordes près. Il va faire un petit barré sur la corde La et Ré en 9e case. Ensuite, il va retirer. Il va faire un petit barré sur la corde Ré et Sol en 7e case. Il revient. Il finit à mi. Ce motif, c'est tous les modes, il est joué que ce soit pour les couplets ou le solo. Voilà, ça fait. Trois balles. Trois balles. Ensuite vient le refrain. Alors, je le fais. Alors, toujours pareil, trois cordes suffisent pour faire du rock. Un sol, donc troisième case corde mi, cinquième en la et en ré. On monte d'un ton en la, ensuite en si. On joue sa vie comme on joue après sol, ré. Donc on fait pareil en cinquième case corde la, septième en corde ré et sol. Des fois tout m'a fait de bien. On retourne ainsi. Je remonte. On joue sa vie comme on joue sympa, comme je disais, quand on joue à deux guitares, c'est que quand il y en a un qui fait des accords en barré, les autres les font en position de ré. Donc je monte, ça fait. Alors pour ce faire, le sol en position de ré, nous allons en 7e case de corde de sol, 8e case de corde de si et 7e case de corde de mi, vous savez. Ça fait le la, donc même position de ré, un ton au-dessus, donc un neuvième, dixième, neuvième. Ça fait. Ça fait. Ça fait.
accordé de si, un accord de si. La deuxième guitare, bah alors toujours pareil, il y a un léger barré d'accord de ré, sol, un septième case. Neuvième, septième. Donc. Je remonte. Après, donc le sol, le ré, le si. Donc voilà l'essentiel du morceau. Alors, avant d'arriver au troisième, après le deuxième refrain, petit, il fait un petit motif. Ça fait. Quand tu dis tu as perdu la boule manga, ça fait. Attention au tilt, ça fait. Pour ce faire, corde de mi, quatrième case, cinquième case, corde de la, cinquième case, corde de ré, ré. Ensuite, on passe en septième case, corde de mi, et septième case, corde de ré. Donc je remonte. Un petit slide. Vous pouvez partir un solo comme ça. Enfin bref, un morceau super sympa, très rock. À jouer en groupe, c'est juste le pied. Le dernier couplet, donc quand il parle du vieux, ça fait plus doucement que. Tu es très fatigué, tu veux te reposer. Et là le petit pick slide. La machine qui court les chiens. Voilà. Donc voilà l'essentiel de ce morceau qui est juste. Enfin, personnellement, pour avoir revu les Insus récemment en concert, c'est celui qui m'a le plus plu. C'est très. C'est des riffs bien lourds. Donc voilà, tout ça vos guitares, amusez-vous bien, éclatez-vous et puis bon rock!